Nous avons besoin de vous. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. La machine infernale est en route. Nous crions au secours. C'est un petit village entre Nancy, Reims et Dijon. 6 habitants au kilomètre carré. Entre Champagne, Lorraine, Bourgogne, terre de conflits, de trahisons, de magouilles. Depuis Vercingétorix et Torix, trahi par les Lingons, en passant par Clovis qui pactise avec l'église de Rome pour créer la France. Lieu du départ en fanfare de la pucelle de Don Rémy. Vassy, où on a massacré pour la première fois les protestants en France, le duc de Guise, sans parler du Barrois pendant la guerre 39-45, où tous les résistants furent massacrés par les SS parce que trahis. Colombey, les deux églises, où le général de Gaulle a sûrement rêvé de la force de dissuasion. Dans ce pays de sources, châteaux, d'eau de la France, qui alimente 3 bassins versants de la péninsule ouest de l'Europe, impossible d'installer des centrales nucléaires. Par contre, depuis le départ, notre région est vouée aux déchets de cette activité. Avec Valduc, où l'on prépare les bombes, Saint-Dizier, la base aérienne où décolle le Rafale porteur de cette bombe, Soulaine, Morvilliers, où l'on a déjà des déchets FAVL. C'est dans cet environnement qu'en 1994 est arrivé le labo de Bure, l'enfouissement des déchets les plus dangereux, cœur de centrale, tête de bombe nucléaire, déchets divers. Après avoir été viré de 15 sites en France, l'argile du site de Bure est soudain redevenue imperméable, alors que Bure avait été écarté initialement pour dangerosité. En fait, c'est la population en surface, faible, passive, soumise, vieillissante, qui est, elle, permissible. Les politiciens en place, pour la plupart descendants des maîtres de forge impliqués dans l'industrie nucléaire et croyant que l'atome et la bombe atomique protègent le CAC 40 et leur activité, voilà comment d'un simple labo d'études, des comportements des couches d'argile à 500 mètres de profond dans la tête, on arrive aujourd'hui et depuis 2 jours à 6 géos. Sans aucun passage au Parlement, passage en force dans la loi Macron, sans débat, après plusieurs tentatives échouées, cette fois ce fut la bonne. Gérard Longuet, sénateur de Meuse, ancien fondateur du GUD, ami du FN, il nous avait prévenu à Bar-le-Duc en 2013, lors du faux débat public que nous avions réussi à arrêter. Il nous dit, Cigéo, vous l'aurez, quitte à ce que ça passe à 6h du matin. On peut lui reconnaître de la suite dans les idées. Aujourd'hui, c'est fait, Cigéo est dans la loi Macron. En 2017, ce sera signé. Des colis acheminés, transportés. Il y en a pour plus de 100 années. 2 trains par semaine. De produits extrêmement radioactifs. On imagine déjà les accidents de transport statistiquement démontrés. On sait le danger d'explosion, les émissions de gaz, la proximité de la géothermie cachée par l'Andran. Ce projet ne pourra jamais aboutir. Et s'il aboutissait, ce serait pour l'humanité et pour 1 million d'années un stockage ruisselant, dégageant, dégueulant de la radioactivité. Une offense à la terre-mère que d'oser lui mettre des fûts dedans à 500 mètres. Ce projet qui veut rester discret est en fait juste un moyen de prétendre que le nucléaire est une énergie sans gaz à effet de serre et que le problème des déchets est réglé. Certainement pour prétendre bientôt construire de nouveaux réacteurs et continuer le programme nucléaire, militaire et meurtrier. Il n'y a pas de solution actuellement aux déchets. Bure n'est pas
la solution. Laissons les déchets pour l'instant là où ils sont, dans les piscines, des centrales, à La Hague, à Valduc, endroits déjà pollués qui ne sont même pas prévus dans un démantèlement, ni imaginés, ni même préfinancés. Arrêtons de produire du plutonium pour fabriquer des bombes atomiques. Passons aux énergies nouvelles et non polluantes. Refusons d'hypothéquer l'avenir de l'humanité pour un monde qui s'enfonce. Soyons pour le monde de demain, un monde propre pour un monde de paix, fraternité, justice entre tous les peuples. Chacun mettons notre petite graine. Rejoignez-nous, s'il vous plaît, à Bure, cet été et pour longtemps, pour des actions. Allez vers les stands, prenez des infos. Venez nous retrouver, venez nous aider. Nous avons besoin de vous, nous sommes seuls. Nous sommes seuls, la machine infernale est en route. Nous crions au secours. C'est un problème mondial qu'il faut traiter d'urgence.